Ok. Non, attends, j'ai pas le temps de lire. De riches fleurs poussent dans le lit. Ok, oui, pourquoi pas. Ah! Ah! Ah non, ok, c'est bon. Pourquoi tu paniques comme ça en un coup, Fiona? Oh, flûte! Ça y est, elle m'a trouvé. Bon, étant donné que la mandragore, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je dois aller mettre ça. Endroit où il disait qu'il fallait du sang de vie, enfin du sang vital ou je sais pas trop quoi. Alors, connue sous le nom de Floramimalia, fleur violette née de cette plante synthétique, ses cris et ses poisons sont connus pour rendre petit à petit ses victimes folles. Ah, d'accord, c'est pour ça que je panique. Je peux pas utiliser ça. Ok. Alors, j'ai pas la moindre idée d'où je dois utiliser ce truc. Peut-être là? Ah non, bah ok, c'est pas ça qu'il me fallait. Ok. Ok. Ça disait quoi ça déjà? Sans vitel. Non, c'est bon, j'ai déjà lu. Merci Fiona. Esprit sans vitel. Peu importe le sens, ça ne ressemble pas au mot de repos prononcé pour les chers disparus, sans blague. Bon, je vais retourner dans ce jardin. À mon avis, je dois cueillir une des fleurs, mais laquelle ? Il va y avoir une description. Là peut-être. Afin de procurer la grande quantité de sang nécessaire pour achever le grand processus. La fusion d'une plante et d'un animal appelé Floramimalia a été créée. Elle dérive à l'origine d'une formule secrète appelée mandragore. De nombreux types de plantes ont été fusionnées pour essayer de créer la mandragore, mais seule la combinaison du Ebel semble posséder une composition liquide similaire. Dans la recherche actuelle, nos sujets sont quasi identiques à la véritable mandragore. La couleur de la fleur est une très légère différence et une très légère différence du parfum sont la seule manière de distinguer l'original du remplaçant. Oui. Il faut faire preuve de prudence. Si la mandragore est déracinée, elle possède deux puissants mécanismes de défense. Elle émet un hurlement puissant à faire exploser le tympan et peut paralyser son agresseur avec des feuilles empoisonnées. Ok, si la situation devient trop dangereuse, il faut rapidement jeter la mandragore pour se mettre en sûreté. Ok. Ça me dit pas vraiment laquelle est la bonne.
plus. Je vais tout examiner avant de me décider. Non, non, non. Bon, j'ai aucune idée de savoir laquelle est la bonne. Donc on va prendre celle-là. Voilà, je me panique de plus en plus, donc on va prendre un peu de la bande et après je n'en ai plus, flûte. Oui, ça dit exactement la même chose que l'autre, donc on verra si c'est la bonne. Sinon, je pense que je vais toutes les tester, on verra bien. C'est toujours pas la bonne. Par contre, j'ai plus de lavande. Du coup, si je panique de trop, ça va pas m'aider. Bon, c'est pas la mauve, c'est pas la rouge. Est-ce une feuille d'information sur les plantes qui sont ici? Il y a quelque chose d'écrit ici. Ouais, j'ai déjà lu ça. Ça va, elle dit pas deux trucs différents. Ah, laquelle je vais prendre? Bon, alors on va les faire dans l'ordre. Hein. Ouais, ça dit toujours la même chose par contre. Bon. Bah, on se dépêche, hein. Oh, c'est pas vrai ça. Elle va me faire coup à... le coup à chaque fois en fait. Vu que la scène a l'air pareille, je suis pas sûre que ce soit la bonne plante. Et voilà, qu'est-ce que je disais? J'ai peur de l'examiner. Ça n'a pas l'air très dangereux. Mais j'ai l'impression que si je mets mes mains là où il ne faut pas, je pourrais être engloutie d'un coup sans blague. Bon. Pas les jaunes.
Je pensais que je me calmerais un peu si je bougeais pas, mais en fait non. Ok, c'est bon en fait. Elle arrête de me suivre quand j'arrive ici, c'est pas plus mal. Bon allez, j'espère que c'est la bonne. Ah ben voilà. Bon, je n'ai aucune idée de comment j'aurais pu le reconnaître sans tout essayer, mais... Mais voilà. Oh. Machine pour presser les plaques encore. Non. Je sais pas ce que je dois presser, donc non. Une tablette en pierre dans une étreinte mortelle. Le sacrifice du golem doit être offert au mur de flamme éternelle de Hadès qui fait obstacle à votre quête. Guidez la bête vers la terre de Metz, en gravant votre souhait dans des lignes de commande à base de lettres. Ok. Le golem primitif exécute 3 commandes. En termes plus simples, elles sont la lettre L qui déplace la bête à gauche, R à droite. La combinaison de 4 lettres, R, 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 ouvrira le chemin vers le petit jardin. Ok. Ouh. Ouh. Non, 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 non. Et, oh, doucement. On va pas trop vite. Trente-six millions de chemins. Une figure inhabituelle a été brûlée dans le sol. Il est écrit Met. Est-ce que ça dit la même chose pour celui-là? Je sais pas, elle est par là. Bon, ben on va essayer le RRRR, hein, comme ils disent. Thank you.
Ok. J'ai compris. Est-ce que je peux le faire plusieurs fois ou pas? Oui. Ok, donc je vais faire que 3 fois R. C'est juste con de... comment dire... que cette scène-là soit si longue, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Je me demande, est-ce que je peux ouvrir tous les chemins ou rien qu'un seul à la fois? Je vais aller chercher l'objet. Et du coup, je verrai en même temps si l'autre feu s'est rallumé ou pas. Et peut-être retrouver Yui aussi, parce que je les entoure paumés. Ah non, c'est bon, je peux tous les faire. Ah bah t'es là. Bon, alors. Une fois droite. Deux fois droite. R, R, L. Et rien. Comme ça, il enlève celui devant. C'est long. Et j'aurais dû regarder le deuxième chemin. Enfin, le deuxième. Parce que là, c'est bien, je vais enlever ce feu-là, mais j'aurais dû vérifier qu'est-ce qu'il y a à droite ici pour que je vois quel chemin prendre. Parce que là, je vais refaire un aller-retour, du coup. Ok, je verrai ça plus tard et j'ai cru voir quelqu'un au-dessus. Ok, donc c'est R, R, L, R, R. Si je me suis pas trompée. Allez, va, petit golem. Ah.
Eh ben voilà. J'aurais tout déverrouillé comme ça. Enfin, déverrouillé, si on peut dire ça comme ça. Par contre, la Fiona, elle a plus d'endurance. Et j'ai reperdu mon chien. Ça devient une habitude, hein? Un signe, ok. Tellement de chemin, je sais pas par où aller du coup. Bon, je vais commencer par le chemin qu'il m'avait donné en premier pour un petit jardin, je pense qu'il avait dit. Oh, de la lavande, ça c'est une bonne chose. Quoi, c'est tout? C'est dégueulasse. Go here. Que t'as trouvé? Good boy. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce chemin en premier. Non, il n'y a pas d'autre chemin par ici. On va aller faire dans l'ordre. Pas ici qu'il y avait...